Bonjour, je suis Félix Faber, je suis le directeur général de Kiné France Prévention et donc je suis masseur kinésithérapeute de formation initiale. On apprécie Préventica depuis sa création, on est quasiment systématiquement présent aux différents Préventica, on a vu naître la présence de Préventica dans différentes villes. Le réseau Kiné France Prévention est un réseau associatif, on est une fédération d'associations, on porte la démarche et on promeut la prévention sur les territoires français au niveau de différents publics. Et Kiné France Prévention est également une société savante qui est membre fondateur du Conseil National Professionnel de la Masso-Kinésithérapie qui s'appelle le Collège de la Masso-Kinésithérapie. Donc on a aussi à cœur de porter une vision scientifique de la prévention et une vision qui est portée sur des niveaux de preuve. Donc pour nous c'est important d'être présent, de formaliser notre savoir-faire et notre façon de travailler. Et puis on apprécie particulièrement le statut que nous offre Préventica en qualité de partenaire. Et c'est toujours extrêmement honorifique de pouvoir dialoguer, de pouvoir échanger avec nos propres partenaires, certains réseaux comme des réseaux mutualistes ou certains réseaux d'entreprises sur lesquels on peut justement aussi promouvoir Préventica et leur conseiller de nous rendre visite et d'en profiter pour voir les autres offreurs de services ou de produits sur le salon. Alors au niveau de nos actions de prévention, à la différence d'autres opérateurs, nous n'avons pas de catalogue pour la simple et bonne raison que chaque demande est différente, chaque besoin est différent et qu'on tend à répondre aux besoins réels et qu'on ne cherche pas à vendre absolument un service ou une prestation. Donc ça, c'est le premier point qui est important. On a une démarche qui est centrée de manière un petit peu particulière puisqu'elle est centrée à la fois sur l'individu et centrée sur le monde du travail. Donc on va avoir une vision qui va être double, individuelle et environnementale, où on s'intéressera plutôt avec notre cœur métier de kinésithérapeute à des bilans, à de l'état de santé physique des gens. Et puis ensuite on s'intéressera plutôt avec une notion de préventeur, à de l'ergonomie de proximité, donc au risque environnemental et ce qu'il en découle. Par rapport à ça, on met en place depuis déjà de très nombreuses années des actions de formation en situation de travail pour placer l'individu dans son travail réel et pas faire des suppositions ou faire des interprétations. Ce qui est important pour nous, c'est le travail réel. Et ensuite, on s'acharne et on s'évertue, bien entendu, à faire en sorte d'améliorer la qualité de vie au travail et que nos formations soient du gagnant-gagnant, aussi bien pour le salarié que pour l'entreprise, et qu'on puisse permettre d'améliorer tout ça et pour tout le monde. Alors, pour la petite histoire, au niveau de notre organisation nationale, dans un premier temps, nous n'avions pas d'activité. On ne faisait qu'organiser la vie territoriale et on fédérait la vie associative. Ce sont des clients territoriaux qui, en se rencontrant et en échangeant sur nos pratiques, se sont rendus compte qu'ils étaient en contrat, en partenariat, avec plusieurs entités de notre réseau. Et donc ils nous ont demandé de pouvoir coordonner ça à l'échelle nationale de manière à avoir un fournisseur unique entre guillemets et un partenaire unique. Donc on a créé des coordinateurs qui sont des kinésithérapeutes avec des formations supplémentaires en coordination et qui vont accompagner tous ces groupes-là dès lors qu'ils sont à l'échelle nationale. Au niveau local, on a des associations territoriales qui sont en mesure de répondre à quasiment tous les besoins. Quand on est sur des partenaires ou sur des clients nationaux, on va plutôt du coup avoir une action nationale pour des raisons évidentes, transversalité, le fait de pouvoir partager les différentes solutions, le fait de pouvoir partager les expérimentations, et tout ça c'est extrêmement porteur. On intervient de l'agriculteur jusqu'à l'ingénieur en informatique, en passant par de la sidérurgie, de la métallurgie, de la logistique, du soin, les professionnels de santé, la petite enfance, on est vraiment présent sur tous les domaines professionnels absolument. Alors je vais rebondir sur l'intervention que nous avons faite aujourd'hui, puisque Préventica nous a offert la chance de pouvoir présenter une intervention sur laquelle nous avons eu des résultats intéressants. C'est notre partenaire, la MNT, qui avait fait le choix de mesurer financièrement l'impact de notre intervention. Et la mesure financière n'a été calculée que sur la base de l'absentéisme général. Et on s'est donc rendu compte que la prévention était concrètement un investissement. Donc si j'ai un mot et un message à véhiculer, c'est investissons dans la prévention, arrêtons d'en faire le parent pauvre de la santé et du soin.